Franck Jacquet, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans le 18h01. Aujourd'hui, nous allons parler de la clinique Chaigneux, ou plus précisément de l'ancien site Avenue de la Révolution. Ça bouge de ce côté-là? Effectivement, c'est un ancien dossier qui date depuis maintenant presque 10 ans. Mm-hmm. La clinique est partie en 2008 et depuis, les locaux sont fermés, à l'abandon un petit peu, même si c'était surveillé, mais en tous les cas, il y avait quelques petits squats un petit peu à l'intérieur, donc du coup, ça posait des problèmes dans le quartier. Et puis, on parlait depuis très longtemps de cette reprise d'un groupe immobilier. Alors, c'est désormais officiel, c'est le groupe Duval qui s'est porté acquéreur donc de ces locaux, qui a racheté officiellement donc cette ancienne clinique le 15 février dernier et qui va construire sur place tout un ensemble immobilier qui va comprendre des logements étudiants, des bureaux, des logements, une résidence pour seniors ainsi qu'un hôtel 3 étoiles, le tout équipé de parking souterrain, parking aérien aussi. Donc beaucoup de travaux avec une percée au milieu de ce gros bâtiment qui va permettre de rejoindre la rue de la Croix Verte. C'est vraiment une révolution dans le quartier de la Révolution. Alors, on rase tout et on recommence du côté de la Révolution. Pour tout savoir, retrouvez l'article de Franck Jacquet dans nos colonnes demain et tout de suite sur notre site internet lepopulaire.fr.